wake up. 6h-9h. Good morning, Sofran. Move. Giorgio, je te l'ai dit, Vivi a écouté l'album. Tu parles de la gente féminine et elle a repéré quelques punchlines. 31 janvier, ça représente quoi comme date pour toi? Ah, oui. C'est une date d'une rencontre. Quelle rencontre? Ah, c'est une rencontre amoureuse. Ah, parce que c'est le titre d'un des morceaux de l'album. Ça faisait si longtemps que j'avais pas ressenti le manque, parce que c'est plus dur quand t'es loin de moi. Le temps nous rapproche et les dangers s'éloignent. Mon havre de paix se trouve entre tes bras. H24, on en revient tôt au rire quand je m'énerve en voiture. Donc, Giorgio a trouvé la femme de sa vie. Je crois, hein. C'est vrai? Tu crois que t'es sûr? Qu'est-ce qui te fait douter, là? Non, parce qu'on n'est jamais sûr, mais en tout cas, c'est l'amour fou. Ah, donc ça se passe très bien. Ouais. Donc tu n'as pas répondu à la question de ce, je te la repose. Vas-tu enterrer ta vie de garçon? Un jour, mais quand? Je sais pas. Quoi. Et elle fait quoi dans la vie, madame? Elle est athlète. Alors, on avait cru voir plein de photos sur Instagram, mais il n'y a plus rien. Ouais, Qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais que quand on fait ça, on se dit « Oh là là, ça y est, se sont séparés hein. !» On a fait des recherches en plus, parce que j'ai dit « Attention, Vivi, pour le Vivi Interview, je crois qu'il a quelqu'un dans sa vie, il ne faut pas dire n'importe quoi. » On a fait des recherches, on n'a rien trouvé. C'est Kanye West et Kim Kardashian. Quand ils veulent faire disparaître une vidéo, il n'y a plus rien. Non, bah moi, de toute façon, sur mon Instagram, je mets principalement que des trucs liés au rap, quoi, ou... Et c'est comme ça. Ils vont cacher pour être heureux, c'est ça. C'est un peu ça avec mes réseaux. Mais... Tout va bien. Et puis il y a le titre Dans mon élément que j'aime beaucoup et j'ai entendu ça. J'habite un film où il n'y a pas d'acteur, où les mauvaises actions n'entraînent que des larmes. Et je suis jamais au bout de mes peines. Mon ex m'appelle, mais tout est perdu. Mais qu'est-ce qu'elle voulait, celle-là? Non, moi je suis dans le respect éternel. C'est-à-dire? De quoi? Qu'est-ce qu'elle voulait? Ton ex te rappelle qu'est-ce qu'elle voulait? Non, mais en fait, quand j'ai écrit. Quoi? Elle voulait te repêcher. T'imagines ce que tu laisses passer. Elle t'a dit quoi? Maintenant ça marche bien, Giorgio? Non, même pas. Quand j'ai écrit ce morceau, en plus ça date d'il y a longtemps. Et c'était pas forcément enfin ça arrivait, mais c'était plus pour dire en gros bah vas-y, une fois que le train est passé, qu'on avance. T'as beau rappeler, etc. C'est mort, quoi. Ouais, Ariana Grande, thank you, next. C'est ça. Voilà. Madame a dû être contente. Ouais, elle aime bien cette phase. Et puis, il y a le titre Monnaie. J'ai mon sourire comme seule monnaie, moi. J'ai mon sourire comme seule monnaie. Un cœur de pierre et l'esprit de cœur Cobain, moi. J'ai mon sourire. C'est ton arme de séduction monnaie. Également, le sourire? Bah, en fait, je souris pas trop. Genre, sur les photos, je souris jamais et tout. Mais c'est comme ça que madame a succombé. Quand il sourit, c'est bah tu payes direct le resto. Non. Mais ouais, bah pareil, c'est plus une image, tu vois, en disant même quand on n'a pas grand chose, si on a la joie, le sourire, ça permet d'avancer aussi et de faire les choses, quoi. Alors vas-y, Giorgio, fais-moi ton sourire de séducteur, de beau gosse. Bah non, justement, je ne saurais pas le faire. Moi, je ne saurais pas trop. Là, tu me gênes carrément. Laisse tomber. Carrément. Tu es connecté sur Move.